Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire une review, si tant est que vous découvriez ce jeu, mais je ne pense pas. Une review des 77 d'Aliaske qui a sorti ce jeu que j'ai depuis longtemps également avec cette première version que vous connaissez probablement tous. Donc c'est un jeu évidemment que moi j'apprécie particulièrement. Voilà, et je tenais absolument, j'ai pas eu le temps précédemment pour des raisons diverses et variées personnelles. Voilà, mais il me tenait à cœur de vous présenter un petit peu les versions, les différentes versions voilà, de cet auteur et créatrice qu'on ne présente plus. Donc, il existe un petit livret hein, sur les versions précédentes en français et en anglais. Il existe également la boîte que vous retrouvez sur le site Etsy d'Aliaske. Voilà. Moi, donc ça c'est la version d'origine. Je n'ai plus la boîte qui va avec cette version puisque j'avais fait l'acquisition de cette boîte en métal. Voilà, qui m'avait été offerte gentiment d'ailleurs. Voilà une version qui est sortie, je crois, au cours de l'année précédente. J'espère ne pas me tromper. En tout cas, voilà, ça faisait un moment que je voulais faire la présentation de ces jeux que je n'ai pas eu le temps de faire, je me répète. Voilà, donc ça, c'est la version. Je crois que c'est la version, je veux pas dire de bêtises, je pense pas que ce soit la version luxe celui-ci, puisque c'est la version que je vais vous présenter ensuite. Katia me corrigera si je me trompe. Voilà, donc ici dans une boîte qui est une boîte cloche, voilà, qui est avec des reflets noirs. Avec des reflets dorés. Je ne sais pas si on le voit bien à la vidéo. Voilà. Et donc, on voit d'ores et déjà par rapport à la version précédente, le format reste le même, ça c'est sûr. Mais du coup, comme il n'y a pas les bordures, ça donne une impression, vous voyez, de carte un peu plus grande. Je ne sais pas si vous voyez. Le fait d'enlever la bordure, effectivement, donne une autre ampleur aux cartes. Et ensuite, on a, chose qu'on n'avait pas sur la version d'origine, qui est celle-ci, on a cette idée de, on a du relief en fait. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, on a les cartes qui sont en relief, les dessins sont en relief. Voilà. Et la différence justement avec la version luxe que je vais vous montrer juste après, c'est que voilà, là c'est pas du doré. Sur la version luxe, il y a vraiment une impression de relief vraiment prononcée, avec évidemment les dorures, c'est du doré sur toutes les cartes. Voilà. Donc, je vais d'ailleurs mettre les trois versions côte à côte, comme ça vous permettra de voir. Donc, la version luxe, la voici. Vous voyez que on est sur une boîte qui est, bon, c'est toujours très très élégant, très bien fini, très bien. Alors, on est sur, évidemment, on a ici un petit message de l'auteur. Si il veut bien me faire la mise au point. Voilà. Ok. Et quand on ouvre la version luxe, on a donc ici un message. Il est numéroté. Donc ici, il y a une inscription dont je demanderai la signification parce que je ne la connais pas. Voilà, s'offrir le luxe de voir plus clair avec en relief le discernement et les initiales de Aliaske. Voilà, donc celui-ci, à la différence de celui-ci qui se présente comme ceci, en fait, à la base, on a ça dessus. C'est un peu, voilà, là on est vraiment sur un produit boîte pas cloche, mais boîte rigide. Que ici, c'est une boîte cloche, mais qui est, vous voyez, plus souple. Et évidemment, et c'est là où on va voir la différence entre les cartes, le dos, il est cette fois-ci de la couleur
Voilà, c'est la couleur de fond qu'on a ici, on la retrouve au dos ici, avec Aliasqué, c'est la différence avec, voyez, cette version ici, d'accord? Et là, c'est la grosse différence, c'est qu'on a les cartes qui sont totalement en relief, avec ces écrits dorés, voilà, avec l'écriture, les dorures, et on voit quand même bien la différence même à l'écran, voyez? Voilà. Donc, je vais vous présenter. On va mettre les trois versions. Celle-ci, je vais la laisser là. Voilà. Et je vais vous présenter cette version luxe. Ça va ici. Je vais les prendre toutes comme ça. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre. Venez, veuillez m'en excuser. Donc, on a la signature. Je vais les ranger au fur et à mesure. L'élévation. La qualité des cartes est très bonne. Hein, ça change pas. Je pense qu'on est sur une qualité qui est différente de celle. Je crois que celui-ci avait été fait chez Grimaud. Je suis pas sûre que ce soit le cas pour les autres. Enfin, c'est pas je suis pas sûre, c'est je suis sûre que c'est pas le cas pour les autres. On a ici donc, voilà, la carte dorée, la carte VRP, les anneaux, l'avion, l'automne. Savoir et connaissance. Le cœur. Le retour. Celle-ci, je l'apparente un peu aux 3 d'épée dans le Marseille. Donc, voilà. On tranche, on quitte l'imprévu. L'offrande. On a ici l'île, l'isolement, le manque, la tristesse, la carte. Alors celle-ci, c'est l'équivalent de la carte 23 qui est dans le jeu d'origine. Alors c'est vrai que si je vais vous essayer de vous montrer. La carte, l'équivalent dans le jeu d'origine. Si je la trouve, bien sûr. La carte 23. La voilà. À pas confondre avec la 24, donc la 23. Effectivement, dans la version luxe est du coup blanche, mais la version 24, la carte 24 que j'ai passée ici, est du coup, elle, toute dorée. Vous voyez? Ça, c'est l'équivalent de celle-ci. Voilà. Donc, on a, comme ça, on peut aisément repérer les deux cartes dans ce jeu, dans cette nouvelle version. L'appel, les nouvelles, l'homme qui s'en va, on tourne le dos à quelque chose, le délai, un jour, deux jours, trois jours, ça peut être semaine, ça peut être mois, peut-être année, la seule notion de temps, les blocages, ça peut être aussi l'hiver, quelque chose à surmonter. L'arbre, j'aime beaucoup cette carte. On se ressource, on se régénère. Les amours, je l'appelle les amours cette carte. L'imprévu, quelque chose de soudain, ça peut être aussi un coup de foudre. L'entreprise, on entreprend quelque chose.
Le choix. On le dit souvent, choisir, c'est renoncer à quelque chose qu'on aime parfois. Voilà, et je sais de quoi il en retourne puisque j'ai été amenée à faire ça très récemment. Les choix sont parfois douloureux à faire, mais ils s'imposent. C'est comme ça. L'été. La sacoche qui est traductrice de travail. Qui est traductrice de travail. Les ciseaux. Alors les amis, excusez-moi, j'ai été interrompue. Alors, j'espère que il n'y a pas eu trop d'écho dans la vidéo. Voilà. Je continue donc cette présentation des 77 versions luxe. Le repos, le lit, l'écoute. Le chemin. Le courrier, la réception d'un courrier, les mails, enfin tout ce qui touche à la communication, les nouvelles. L'affection, le bisou, l'amour. La femme. Le serpent. La trahison, la transformation aussi, la ruse, oui, le cœur, l'œil fermé, quelque chose qu'on ne voit pas, le manque. Le H comme homme, comme hospitalité, comme hôpital, comme voilà, tout ce que vous voulez avec un H en fonction des cartes environnantes. Le triomphe. La guitare qui va évoquer tout ce qui est loisirs. Écoute, musique, gaieté. On a ici je l'appelle le Bouddha, mais voilà, chacun y voit ce qu'il veut derrière. La maison, le foyer. L'abondance. La sagesse. On sort d'une situation qui était peut-être inextricable. Le retour. La lune. Le bateau. La protection. La chance. Alors c'est vrai que ça donne pas tout à fait la même intensité, ça change vraiment, vous voyez, même le oui. C'est sûr que je vais essayer de prendre la même carte, ça donne une autre portée, ben voilà, elle est juste là d'ailleurs, une autre portée vraiment au jeu, voilà. Après, c'est faux, comme on dirait que les cartes sont beaucoup plus grandes alors que c'est la même taille. Si vous regardez, c'est exactement la même taille. Voilà. La chance, ne jamais cesser d'y croire, elle arrive toujours. L'empreinte, l'abondance, les financières, l'euro, bien sûr. Le nom,
On met fin à quelque chose, il y a une situation qui s'arrête. Le retour négatif, le silence. Il y a quelque chose qui s'interrompt, la rupture. La clé. La naissance, l'enfant, d'ailleurs il est à l'envers. Et on rompt ici et on s'apprête à sortir la sexualité, l'homme, l'isolement, la naissance. La toxicité, la piqûre, ça peut être les soins aussi, tout dépend. L'interrogation, l'équilibre, les échanges, le couple entre mes femmes, la spiritualité. Les festivités avec le verre, la prison, l'enfermement, l'ouverture, il n'y a pas d'encombre à l'horizon, tout est clair, et c'est la carte du printemps, les amis. Voilà donc ce nouveau, cette nouvelle version des 77 de luxe qui est, voilà, qui est toujours d'excellente qualité. Voilà les amis ce que je peux vous en dire. Je mettrai sous la vidéo bien sûr le lien vers... la boutique de Katia d'Aliaske pour ceux qui veulent en faire l'acquisition, voilà, qui est également la créatrice des 77 pour ceux qui des 77 pardon du portail des 12, excusez-moi, que vous retrouvez également sur sa boutique. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette nouvelle review vous aura plu. Et quant à moi, je vous retrouverai avec grand plaisir pour de prochaines présentations. Je vous embrasse bien fort. Portez-vous bien.